Hey, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis à fond. Oui, à fond. Et pourquoi je suis à fond? Je suis à fond parce que j'ai perdu 20 ans. C'est-à-dire que là, je suis redevenu un jeune homme. Et tu sais pourquoi je suis redevenu un jeune homme? À cause de ça. La PlayStation 2. Oui, la PlayStation 2. Alors pour les plus jeunes, vous connaissez la PlayStation 5, 6, la 12, la 25, mais la 2, vous la connaissez peut-être pas. Et sur la PlayStation 2, eh ben, il y avait 3 ou 4 jeux de BMX. Bon, moi, j'en ai que 2. Cette console, au départ, elle m'a servi de lecteur de DVD. Waouh! Des DVD? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est les trucs qui servaient à regarder les films avant que Netflix arrive. Bref, qu'on va faire? On va repartir direct en 2004. On va changer de caméra et se retrouver sur la caméra de Wish, qui est totalement 2004. Transition magique. Et voilà, on est sur la caméra qui a la qualité d'une caméra de l'époque, sauf qu'elle filme pas sur cassette quand même, heureusement, c'est déjà bien. Bon bref, je vous parlais de ça, la PlayStation 2, sur cette console, il y a eu ça. Je vais le montrer avec l'autre caméra, peut-être que vous le verrez mieux. Dev Mira Freestyle BMX, qui est sorti en 2004. Non, en 2001, pardon. Il est sorti en 2001. J'essaie de me rajeunir un peu. Donc le jeu, et j'ai encore la notice en français avec écrit à l'arrière pour avoir des conseils pour finir le jeu, allez sur 3615 Acclaim. Oui, 3615, c'est-à-dire qu'à l'époque il y avait encore des trucs sur le Minitel. Tous les riders que je préférais à l'époque sont dans ce jeu, et en plus le premier niveau de ce jeu, c'est Woodward. Et pour ceux qui n'ont jamais eu la chance d'aller à Woodward, bah y aller virtuellement c'est bien, faute de mieux. Bon, bref, je peux pas brancher la PlayStation sur l'ordi, mais par contre j'ai trouvé un émulateur qui peut faire tourner le jeu, et du coup, eh ben on va y aller tout de suite. Eh ben on est parti du coup, hein. Tu vas voir, là ça va te rappeler des bons souvenirs. Je vais juste faire un truc qui va te faire kiffer si t'as aimé la PlayStation. Écoute bien. Oh oui. Ah, tu te rappelles de ce bruit-là, hein? Ce petit son qui te dit, ah, j'espère que mon CD n'est pas rayé, sinon la console va jamais le lire. Eh ben, on va y aller. Je mets mon casque et choisir un ISO, Dev Mira Freestyle BMX et lancer. Et là, si t'as déjà joué au jeu, tu vas te rappeler de cette intro aussi. Allez, je la laisse en entière pour le plaisir. Tu vois cette petite musique et ce petit bang? Bah ça me disait que j'allais passer un bon moment devant ce jeu. Ça c'est bon ça! Je devais filmer cette vidéo ce matin. Là il est 18h30. Voilà. J'ai joué pendant presque 3 heures. En gros, je voulais tester si l'émulateur marchait. Et j'ai pas pu lâcher. Bon. Manette de Xbox pour jouer à la PlayStation, c'est pas terrible. Le joystick, il est vachement sensible et du coup, eh ben le rider, il a du mal à être contrôlé, tout simplement. Allez, on va commencer par prendre Dev Mira, forcément, parce que c'est mon préféré, avec la tenue avec la casque de mobylette. Je vais faire un rapide tour d'horizon du premier niveau, juste pour vous donner envie de jouer dans le jeu. Jouer dans le jeu. Alors moi, je suis en total roue libre, quoi. Ça reste dans l'univers du vélo, t'as vu? Challenge. En gros, dans tous les niveaux, c'est comme dans tous les jeux, Tony Hawk Underground, tous les jeux de skate, tous les jeux de BMX, c'est à peu près pareil, t'as des petits défis, genre, dans les premiers niveaux, tu vois, il faut aller taper dans des échelles, il faut aller parler à d'autres riders, ils te donnent des sauts à faire sur des bosses de dirt. Voilà. Donc là, il me reste quelques challenges à faire. Tu vois, là, il me reste Wallride the Four Cloud Nine Doors Open. Donc il faut que j'aille rouler sur les portes de Cloud 9. Je vais y aller direct. Mais avant, je vais faire un petit tricks. Allez. Je suis pas tombé, c'est cool. Bon, c'est un peu n'importe quoi. Je te le cache pas que la plupart des tricks qui sont dedans, ils sont infaisables. En tout cas, c'est ce que je me disais à l'époque. Parce que les premières fois où j'ai joué à ce jeu, bah, je faisais des backflip tail whip, des flare whip. Ah ouais, en fait, maintenant, il y a beaucoup de gens qui le font. Pareil, tu vois, juste faire ça là.
Bon, peut-être pas dropper une rampe, ça c'est pas compliqué, mais bon. Regarde. Hop. Bah ça, les mecs, ils le font maintenant. Bah ça aussi, ils le font. Et moi aussi, je le fais bien, ça. Me prendre des rails dans la gueule, c'est ma seconde passion. Après le BMX, bien sûr. Alors là, c'est Lotte 8. Donc tu vois, il y a à peu près tous les parcs de Woodward qui sont dedans. Enfin, les parcs de l'époque. Parce que ça a quand même un peu changé depuis. Et voilà, Lotte 8. Donc, je vais y aller et je vais faire Wallride. Ok. Ça a bien marché. Donc, comme tu peux voir, c'est pas ultra réaliste au niveau des figures. C'est pas une simulation, on va dire. On n'est pas sur Ride, l'autre jeu qu'on m'a conseillé d'essayer et que j'ai pas du tout aimé parce que j'avais l'impression de devoir réapprendre le vélo dans un jeu vidéo. Autant aller faire du vélo, quoi. Là, en quelques minutes, t'apprends à faire des figures direct. Tu vois, là, j'ai déjà rempli le challenge. Hop. Et comme ça, je peux rouler le parc. Ouais. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Front flip en spine, suivi d'un 540 tail whip. On allait où? 3-6 toboggan. Bon, tu vois, on n'est pas dans la simulation. Vraiment. Je vais retourner au départ et je vais faire un run de rampe pour te montrer à quel point le jeu n'est pas réaliste. Parce qu'il n'est pas du tout. Regarde les hauteurs que je vais me prendre. Bon, déjà là, je suis bien haut. Oui, c'était un double backflip 95-40. 900 rocketter. Bon, tout va bien. C'est des trucs que je fais tous les dimanches. Enfin, pas ce dimanche-là, mais... Parce que là, j'ai la flemme d'aller faire du vélo, vraiment. Donc, je me suis dit que j'allais en faire dans le jeu. Oh, j'aurais presque pu retomber en faki, quoi. Et du coup, pour faire des maxi-combos dans ce jeu-là, il faut faire des manuels entre les tricks. Ouais, bon, là, en vrai, t'es mort. Hein. J'adore ce jeu. Rocketter backflip tout faki. Ah, bien sûr. Après, t'as des défis dans le jeu. Attends, je vais mettre pause. Après, t'as des défis dans le jeu qui sont faciles, entre guillemets. T'as des trucs genre bah, les wall rides que j'ai fait, c'est facile. Là, il y a un challenge. Je vais te montrer. Challenge. Grind 525 feet sur le rail qui descend à côté des... à côté du trail. Donc voilà, tu te dis ouais, ça va. Ouais, bah j'ai pas réussi à le faire. Et j'y suis pas arrivé souvent. En gros, il faut que je fasse grind sur tout ça. Regarde, là je le fais pas parce que je sais que je vais pas y arriver. Mais il faut que je descende tout le rail, que je saute de rail en rail, jusqu'à arriver en bas. Bon, pas comme ça, mais bon. Tu vois, en gros, il faut que je grind tout le long de la descente en faisant des transferts de rail en rail. Et dans ce jeu-là, bah, je suis pas bon pour ça, moi. Je sais faire que des cascades. Ça, c'est très étrange. Parce que je suis quand même un rider tech. Et dans le jeu, je fais pas de tech. Je fais que des cascades. Parce que ça m'amuse. Peut-être que comme ça, je peux mettre un flip whip une fois dans ma vie. Il y aura, j'ai déjà mis. C'est pas des tricks qui m'intéressent, quoi. Tu vois, faki backflip nous foot. Tout va bien. Faki candy bar backflip. Easy, mec. Easy, Demian. Easy. Après, tu vois, tu peux faire des bar spin manual. Tu peux faire... tu peux faire des nose wheelie aussi, normalement. Voilà. Oula. Par contre, c'est un peu plus compliqué, nose wheelie. One end nose wheelie. Comme dans la vraie vie, je tombe en avant. J'arrête, je vais revenir au début vite fait. Je suis à combien de minutes sur l'enregistrement là? Oui, il me reste 7 minutes, ça va. Je vais pas dépasser les 20 minutes hein, parce que sinon je vais y rester toute la nuit et la vidéo durera 14 heures.
En gros, je vais te montrer un truc. Il y a un truc sympa dans le jeu, c'est que tu peux aller rencontrer des riders sur les spots. En gros, t'as des gars, tu vois, là, il y a un gars, je sais plus qui c'est par contre. Là, il y a Kenan Arkin qui me disait, ouais, qui me disait de faire un trick. Je crois qu'il me disait de passer les boss de Dirt en backflip. Tu vois, pas très compliqué. Après, de l'autre côté, t'as Ryan Nyquist qui te dit de faire un manual sur une table de pique-nique. C'est pas très compliqué non plus. La playlist, t'as vu les sons qu'il y a là-dedans? Il y a du Sum 41, il y a du Rage Against the Machine, il y a vraiment des bons groupes. Il y a Ozzy Osbourne, Black Sabbath. C'est ce jeu-là qui m'a fait découvrir le métal. Avant ça, je connaissais pas du tout. Et genre, tu sais, j'ai écouté les premiers coups, je fais, c'est quoi ça? C'est trop bien. Et depuis, j'écoute que ça. Quand je ride, j'écoute que ça, quoi. D'ailleurs, celle-là, je l'ai sur mon MP3. Quand je suis à Plougastel en train de faire du vélo et qu'elle arrive sur la playlist, je me crois dans le jeu. Mais je fais pas les mêmes tricks, quand même. Bon, qu'est-ce que je vais faire pour la fin de cette vidéo? Il reste 5 minutes. Disaster to face plant. Pas mal. Bon, je vais essayer de faire un gros tricks. Bon, ça c'est déjà pas mal. Boum! T'as vu le nom du tricks? C'était un triple backflip 900 no-end. Ouais, mon gars. Jouer, c'est bien, mais je vais vous expliquer le jeu quand même. Dans le jeu, t'as plusieurs parties de niveau, tu vois. Il y a un niveau avec des trains, avec plein de streets, des grinds. Tu peux faire des super longs grinds sur les rails du train, c'est marrant. Là, c'est un espèce de champ de boss géant avec des grandes descentes des boss. Là, c'est vraiment street. Là, c'est un parc aquatique. C'est trop bien. Encore du street. Du gros dirt avec des gros gaps. Et l'aéroport qui est mi-street, mi-parc. Et qui est pas mal du tout comme niveau. Bon, après, moi, je suis un grand fan de Woodward. Dans le jeu. Et en vrai, j'aimerais bien y aller aussi. Ah oui, je t'ai pas montré la tricklist. Il y en a tellement des tricks dedans. Ouais, t'as vu? Quand j'ai cliqué, il y avait écrit challenge et compétition. Parce qu'une fois que t'as fait tous les challenges, tu fais des compètes où tu dois faire un maximum de tricks en essayant de pas répéter tes tricks le plus souvent. En gros, ça a plus rien à voir avec les compètes de maintenant où les gars font que des tail whip et des bar spin. Là, il faut être polyvalent, faire plein de tricks quoi. Qu'est-ce que je voulais te montrer moi? Je sais plus. Attends, j'ai un bug. Ah oui, la tricklist. Excuse-moi, j'avais perdu le. Tu vois, t'as tous les tricks qui sont là. Donc, turn-down, can-can, table, backflip, Superman, candy bar, machin. La totale, double backflip, turn-down, backflip, tabletop, backflip. Il y a tellement de tricks dans ce jeu, c'est un truc de fou. Bar spin, one foot, tous les trucs, tourner le guidon, lâcher les mains. Et les grinds. Les grinds, il y en a un peu plus. Tu vois, sprocket grind et tout. C'est un truc, je pensais que ça n'existait pas. Quand je joue au jeu. Et maintenant, tous les gars, ils le font en street et sur des gros rails en plus. C'est. Franchement, ce jeu, je pense qu'il a donné des idées aux riders, à mon avis. Tu vois, dans le jeu, tu peux faire flip whip, et je pense que derrière, les gars se sont dit, eh, en Bakamousse, il y a peut-être moyen de tester. Et Chad Kaggi, il l'a rentré au X Games 2004, je crois. Hein? On va finir par faire quelques grinds quand même. Toujours tout backflip. Ouais. Ah oui, après dans les niveaux, t'as des trucs à trouver aussi pour avoir des points de respect. Tu vois, genre ça. Regarde. Ça va marquer, tu vois, Dig Dog Gap. En gros, tu dois trouver des petits transferts comme ça. Et au bout d'un moment, tu débloques des personnages, des vélos, des trucs. Ce que j'ai pas fait là. Parce que j'ai triché. Two bar spin. Ça change un peu des flips. Bon, des fois, il atterrit de travers, mais ça rentre quand même. Enfin, bref. Donc voilà, c'était un petit gameplay de DevMira Freestyle BMX, le jeu. Un jeu qui restera dans mon cœur parce que j'y ai joué beaucoup et ça me rappelle des bons souvenirs. Voilà, n'hésite pas à aller voir dans la description, je te mettrai le lien pour aller télécharger l'émulateur et le jeu. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce. Attends, je reviens. Et du coup, peut-être que dans la prochaine vidéo, je testerai Matt Hoffman Pro BMX. Voilà.
À la prochaine. Bon ride virtuel. À plus.